YouTube et bienvenue pour la rediffusion du Notsoberi. Nous sommes sur Twitch actuellement. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Vous avez zéro, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de payer. Et on s'amuse beaucoup des fois. Coucou YouTube, agent 21, boule, cœur, voilà. Cœur. Et en plus dans le chat, vous voyez, ils sont gentils, vous disent tous bonjour. Donc comme ça au moins c'est fait. Donc nous sommes avec le Notsoberi, avec nos petits... Ah oui c'est vrai, ils avaient fait crac-crac et c'était nul. Avec nos petits vieux de la génération orange qui vont bientôt... ils ont fait un crac-crac, c'était la misère quoi. Et notre bel héritier Shamalow, qui on va essayer de voir si on peut lui trouver une petite nénette pour pouvoir se reproduire et faire la génération suivante. Bah allez vous coucher hein, les vieux là. Il y a plus rien. Ah ouais non mais ils sont pas si fatigués que ça en fait. Elle un petit peu. Et donc voilà, donc Cham Cham, il est encore jeune, hein, il ne va pas vieillir tout de suite. Au niveau des compétences, nous sommes à 6 en bien-être et 5 en écriture. Nous devons les avoir au niveau 10. En carte postale, nous sommes à 4, 5, 6. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas réussi à aller jusqu'à 7. J'aurais voulu aller jusqu'à la moitié, mais effectivement, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à la moitié. C'est parti remise, on va les avoir aujourd'hui, hein. C'est pas un souci. Bon, je vais faire comme la... Qu'est-ce que j'ai foutu? Je vais donner le tapis. Je vais faire comme la semaine dernière, je vais les laisser gérer, hein, les vieux, là. Ils font ce qu'ils veulent. Ah tiens, nous avons la petite musique des Sims pour nous enjailler. J'ai perdu la maison... Bah en fait, parce que je suis en tab et... je passe de l'écran là... Que je suis hors game, jusque quand je reprends dans le game, bah forcément la souris elle fait sa life quoi, tu vois. Ah c'est Sims 2. Et salut Tinouille, comment tu vas? Donc bon pour l'instant, eh ben, on va accélérer le temps et puis quand... Bah, il a déjà dormi. Oui, 6h du mat. Ouais. Va prendre une douche, va te faire beau. Est-ce que ta mère, elle t'a fait à bouffer, non? Oh bah il y a des pancakes à manger, tu vas manger des pancakes. Ça, il sera bien. Est-ce qu'il travaille? Il travaille aujourd'hui. Il travaille dans 3h jusqu'à 17h. Ok, ok, ok. On n'a pas de courrier. Et donc, est-ce qu'on en est dans l'inspiration? Écrire 5 bons livres. Donc pour l'instant on a écrit pendant 15 heures, on a déjà niveau 4, même 5 de la compétence écriture. Il faut écrire 5 bons livres, donc on verra ça quand il rentre. Ah, c'est vrai que c'est l'hiver, j'allais dire. Tu vas tout vendre. Avec mamie. Enfin c'est pas mamie encore mais... Pendant que Copper il est en train de s'enjailler là sur la musique. Bon, quand est-ce qu'il meurt les vieux? C'est pas que j'ai très hâte, mais 96 jours pour Copper. Et Emmanuela, elle en a 154. C'est un dinosaure, cette meuf. J'imagine que ça faisait juste rigolo drôle. Oui, oui, bah ouais. Bon, t'es plus trop de la saison, rien que ce petit boule. Il y a du caca dans l'évier? Non, c'est juste ce toilette qui est cassé. Tu peux... Ah oui, t'as pas pu planter le raisin. Oh, tristesse infinie. Vas-y, va danser, si tu veux, avant d'aller au boulot. Voilà, le divertissement va remonter un peu. Vraiment pas beaucoup, hein. Ah, la coupure d'eau! Magnifique. Allez, va bosser. Va bosser mon coco, donc ben, travailler dur. Je me demande s'il va pas faire un peu connaissance avec ses collègues. Histoire de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est pas mal dans le lot. En ce temps-là, il y a les vieux. Alors, Megumi, non. Si tu veux, prends quelque chose, quelqu'un d'un peu plus attractif. Parce que... ni elle, ni son mari, ni sa fille, ils sont beaux. Il n'y a que Kyoshi qui vaut le coup, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Marina Roy. Ah vache, tu fais peur un peu.
Voilà, voilà. J'y pense, pourrais-tu donner le lien pour le visuel tab? Eh ben, il est dans ma vidéo, Paulinette. Oh tiens, qui voilà? Notre fille. Il est dans la vidéo de mes modes indispensables. Tout est linké dans la description. Oh, bah le relooking, il sera fait quand les vieux seront morts, je pense. On se prendra le temps de faire ça à côté. Tranquille. Oh, qu'est-ce que tu nous ramènes comme petit cadal? Une plante insolite. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un paquet de graines. Des mûres. Il avait déjà tout ça, des bananes, tomates et tout. Du hou et de la chrysanthème. Ouais, mais là, il fait encore plus... J'ai planté quoi, ici? C'est des fleurs. Ouais, donc bah ça attendra. Au pire, je donne ça à son... Ouais, il est en train de bosser, donc forcément, je peux pas les transmettre. Bon, on va les regarder faire, mais bon, j'ai pas envie de les gérer. Hein. J'ai abandonné la partie. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, maintenant. Hein. J'espère qu'il va rencontrer les miennes. Je l'ai mis exprès dans la carrière à faire. Ah, bah peut-être, alors. Pour l'instant, ça va, vas-y. Mais discute avec les collègues, mec. Bah, à part cette mocheté, là, il a rencontré personne. Oh, j'entends des bruits chelous derrière moi. Alors, cop, tu manges des trucs pourris? Quel bonheur. C'est hallucinant, comment tu vas? Pas fait attention, je regarde. Ouais, non, mais t'inquiète, tout est linké. Oh! Alors, 160 simflous et... Franchement, ça a servi à rien que t'ailles au boulot, en fait. Enfin, tu vas au boulot, tu parles pas aux gens. Quel est l'intérêt, mon petit? Voilà. Ouais, t'iras faire un petit pipi après. Est-ce qu'on a eu du courrier? Ouais, vas-y, prends le courrier. On va peut-être avoir une nouvelle carte postale. Ouais, c'est bien. Arrête de parler à ton père. Mais elle est encore là, elle? Non, on veut pas répondre. Cooper, vieux, voilà, j'ai loupé les épisodes. Ah oui, il a vieilli la semaine dernière. Si je dis poids de conneries. Mince. Ah si, si. Dragon Valley. Attendez, je reprends mon petit carnet, là. On va cocher des choses. Dragon Valley. Doudoudou. Moi, je vais habiter à Dragon Valley. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais... Rien que pour le nom, je veux. Parce que vous savez que je note, comme ça, au moins, je sais ce qu'il faut. Carte postale. Dragon Valley. Dragon Valley. Ça, c'est bon, ça. Moon Knight Falls, on l'avait écrit. Ça, c'est Lucky Palms. Je l'avais. De toute façon, j'avais tout listé. Hein. Ah, j'en ai eu deux. J'ai eu Midnight Hollow aussi. Oh, yes. Oh, ça, c'est bon, ça. Oh là là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 14. Ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. Si tu veux, tu peux parler à ta sœur. Vas-y, raconte-lui une blague sur les martiens. C'est tellement drôle. Dis-toi que ton prédécesseur, il a été, lui, dans l'espace. Hein. Petite pulcote. Ça remonte, mais... J'ai pas encore fait les photos de... Mince. Faudrait que je pense, d'ici la semaine prochaine, à faire les photos du portrait de Chamallow, simplement. Avec un petit relooking que je vous préparerai en scred. Oui, la semaine dernière. Du coup, discuter. Trouver un correspondant, tu vas recommencer vers ça. Discuter, écrire une lettre à Little Haven et Barnacle Bay. Parce que ça, je pense pas qu'on les a. Barnacle Bay, voilà. C'est là, on les a pas. C'est bien que je les ai notés parce que sinon je serais complètement paumée. Je saurais pas quoi faire. Crap, il est bugué parce qu'il a encore ça. Mais... Et coucou Lydie, comment vas-tu?
Et bonne Apollinette, évidemment. Bon, t'as raté un petit peu le début, Lydie. Alors, sache qu'on vient de recevoir deux nouvelles cartes postales. Donc, on est à 8 sur 14. Donc, c'est très bien déjà. Après ça, y a pas eu grand chose. Bon, arrête de discuter! Et après, mon petit, va falloir que tu bosses un peu. Que tu bosses l'écriture. On va te faire écrire ce soir. Si tu te manies un peu les fesses, on pourra te faire bosser. Ah, la coupure d'eau est finie. Youpi! Si on est à 8 avec les deux lettres, ça nous fait 10. Là, on va en trouver un 11e avec la truc de correspondant. Voilà. Voilà. Et salut Malone, comment vas-tu? Alors, fais-moi voir. Discuter. Demander une carte postale. 2. Là, on ne peut pas encore. Les autres, je les ai. Ce sont des Bridgeport. Bridgeport, je l'ai. Lucky Pams, j'ai Midnight Hollow, j'ai Moonlight Falls, j'ai Apalula, la truc, ça j'ai. Twin Brook et Sunset Valley, ça c'est les premiers. Donc oui, ok. Donc ça, il faut que j'attende un petit peu. Ok, très bien. Donc il va écrire. Écrire un livre de genre non-fiction. Est-ce que vous avez des titres pour ça? Pour notre petit livre de non-fiction, pardon, que Chamallow va écrire. Ah, bah écoute, prends soin de toi, Malone. Aujourd'hui, j'ai mon enfant Sims qui a fait planter mon jeu. Heureusement que j'avais juste lancé mon jeu. Ah bon? Comment ton enfant Sims peut faire planter ton jeu? Il a posé une malédiction, il a fait... Et puis t'as planté. Ma plume sur ta peau. C'est joli. C'est sympa. Vous avez l'air très inspiré. Je vais prendre la proposition de Lovo Sims. Ça vous fera les pieds. Attendez, hop, clac. Je vais mettre une mage. Ah, ça y est. Moi, Martial. Comment j'ai rencontré la joie, la théorie de la cuillère en bois. Oui, les aventures de Chamallow. Je vais écarteler mon enfant Sims. Hmm, on va pas rester là-dessus. Non, c'est... Faut être un peu plus safe, soft dans le Notre Sobérie, les enfants. On n'est pas dans le Legacy. Le Notre Sobérie reste sur YouTube. Legacy, ça s'en va. C'est pas grave, on peut dire des horreurs. Pas de soucis, bonne app, Martial. On va voir s'il arrive à écrire correctement. Niveau 5 de la cuisine gastronomique. Pas mal. Alors j'en étais, oui, tu vas filer les murs à ton fils. Non, ça c'est des raisins, Jean-Claude. Les murs, là, voilà. Tu vas filer des tulipes aussi et du ouf. Bon, elle a un tapis. Je leur ai pas fait prendre leur retraite. D'ailleurs, je vais transférer les tombes. Parce que sinon, il va claquer et ça va pas être possible. Ça, c'est qui? Donc, Pepper, Bordeaux, Macy. Lui, on s'en fout. On va lui donner à elle. Nous, on veut que la famille. Voilà. J'ai sauvegardé les tombes. C'est déjà ça. Nous avons donc les tombes de la famille. Sauf Pulcott. Pulcott, je ne l'ai pas. Putain, il a arrêté. Mais quel sagouin. Bon, et après, il est 3h du matin. Et puis, il a pas fini de... d'écrire, mais c'est pas grave. Ah, c'est l'heure de la pub. Martial a demandé la pub. Donc, je remercie déjà tout le monde qui vont regarder la pub, qui vont les subir. Dites-vous que vous contribuez à mon enrichissement incroyable de Twitch. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Vous n'allez rien rater, vous inquiétez pas. Bien sûr, sur YouTube, vous n'allez pas avoir de pub, hein, vous inquiétez pas. Enfin, du moins, je sais pas. J'en ai aucune idée si vous en aurez.
je monétise la vidéo, mais je sais même pas ce qu'il y a. Donc, c'est ça qui est beau. Mais c'est bien, regardez, il commence à faire à manger pour son fils. Et muscade à la tienne. Vas-y, mange les pastas que ta maman ou ta soeur, j'en sais rien, on fait là. J'ai déjà oublié. Ah non, c'est Copper qui l'a fait. Ah, ils ont cassé la télé. Va falloir que t'ailles te doucher, bichon. Ça, tu pues. Tu es full de golo. Attendez, il y a un truc sur l'ordinateur. Ah non, c'est parce que j'avais cliqué sur elle à la place, je me disais aussi. Discuter. Consulter les réponses. Parce que si avant de partir, il peut faire ça... Non, il aura pas le temps. Il va être 9h. Ouais, il ira bosser avant. Allez, Minou, à toi, ya. T'as pas le temps de pisser ? Oh, punaise. Alors, tu vas rencontrer des collègues. Toi, tu vas aller... Tu vas pas mourir, mais tu vas réparer ça, s'il te plaît. La vioc. Tu vas me ramasser ça tout de suite. Tu fais le ménage, femelle. Allez. Il est à quel niveau de la batterie? Ah, il est qu'au niveau 2. Impressionner le patron. Chamallow veut impressionner son patron pour obtenir une promotion. Est-ce qu'on doit faire des heures supplémentaires ou s'occuper d'une tâche secondaire? C'est vous qui me dites dans le chat. Il a lancé plusieurs interactions, plus de 100. Ah oui, d'accord. Ouais. Les cimetières ont voulu réparer la télé, ils sont morts d'électrocution, j'ai eu peur. Ah bah ouais, malheureusement ça arrive. Hein. Alors, 2 pour heures sup, 3 heures sup, tâches supplémentaires, sort heures sup, secondaire, heures sup, nous sommes à 7 contre 2, ce sera donc heures sup. Paf. C'est fait. Il y avait beaucoup d'avance, hein, donc j'ai tranché rapidement. Ouais, il l'a réparé, hein. Il l'a réparé. Alors, est-ce que tu as rencontré des gens? Non, toujours pas. Punaise, mais elle bosse alors. Ah, il a rencontré une vieille. Mais quel bonheur. Elle est toute sèche, mon petit. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu peux jeter ça, mon biquet. Non, tu veux pas. Elle va faire pipi. Ah, je croyais qu'il avait besoin de faire pipi. Bon, il a plus ou moins besoin de faire pipi. Tu vas manger un truc, tu vas ouvrir, tu vas manger ça, tu vas checker si t'as ton correspondant. C'est un peu à la chaîne. En même temps, pour l'instant, il est tout seul. Je m'occupe que de lui, donc forcément, ça va très très vite. N'inquiétez pas, quand il aura trouvé sa moitié, ça va aller vite aussi. On va créer la génération pêche. Bien sûr, n'hésitez pas, hein, dans les coms aussi, à essayer de trouver des prénoms qui vont avec pêche, qui vont de la couleur pêche. C'est un orange en vrai, donc peut-être un orange pâle, j'en sais rien. Parce qu'on a fait orange, donc on est déjà passé par là. Sachant que je vais pas prendre le prénom Peach, puisque c'était Krim qui l'a utilisé pour son autre sauvegarde. Et j'ai pas envie de reprendre les mêmes prénoms qu'elle, ce qui est logique. Alors, est-ce que tu peux demander une Barnacle Bay, on avait dit. Et puis, discuter, demander une carte postale. C'était Little Heaven, je crois. Ouais, c'est ça. Hop. Copper et Nicolas ont réglé leurs différends, ne sont plus ennemis. Ouais, enfin, ce Nicolas, il est décédé surtout. Hein. Mon Copper. Oh là là. T'es relou un peu, non? Habille-toi. C'est à froid. Avec sa tenue de VRP là, quel enfer! C'est laid! Bouh! Ah ouais, Melba peut-être. Ça sert à quoi correspondant à les Sims? C'est pour faire la collection des cartes postales. Nesty et Fusty. Diantre, mon nouveau correspondant réside à Champs-les-Sims. C'est la France, ça. C'est dans les Sims 3. D'ailleurs, tiens, tu vas retrouver un correspondant. J'ai jamais joué avec le truc des Sims 3, là. Avec, moi, les Sims 3, j'avais pas grand-chose. Mais des fois, je me dis que j'ai envie d'essayer, et puis quand je relance les Sims 3, je fais... Ah, non. J'ai pas envie.
quand j'avais un vampire. Moi, quand j'avais un vampire, mais tu es immortel. Bah, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un correspondant. Est-ce que tu peux écrire une lettre? Ah, tu peux pas encore. Écris une lettre à Chant les Sims, du coup. Et tu vas reprendre ton livre. Reprendre l'écriture de ma plume sur ta peau. On a bientôt fini, hein? Non, frère, ça va aller vite, hein? Bah, les Sims, ils parlent Simlish, tout simplement. Avec, toujours avec la musique des Sims, là. Bon, allez. Putain, mais il est fatigué! J'avais pas fait attention qu'il était aussi crevé que ça. Bon, il a bientôt fini son bouquin. Voilà, il a fini. Il est quoi ton bouquin? Médiocre. Super. Tu vas vendre un éditeur. Parce que c'est pas comme ça que tu vas finir ton aspiration, mon coco. Je sais pas si tu captes, en fait. Oh, il y a des patates qui ont poussé. Mais... Vas-y, viens, va tout vendre. Ouais, vas-y, va pelleter de la neige. Il est où, Copper, il est en train de lire. Le dernier livre de Chamallow a été nominé pour une récompense. Elle est à la prochaine cérémonie de récompense dimanche 19h pour voir s'il a gagné. Waouh. Il était médiocre, mais pas tant que ça. Hein. Donc tu vas regarder un peu la téloche. Il est 8h du soir, tu vas pas être couché à 8h, quoi. Style de vie obtenu. Célibataire épanoui. Bah, c'est sûr qu'il est célibataire, non, il a même pas trempé le biscuit. En même temps, s'il rencontre que des vioques, au taf, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, fais-moi voir ça. Ah, bah ça, c'est quelqu'un que j'ai installé, mais c'est un mâle, donc c'est dommage. On pourra pas faire de bébé avec, on peut toujours s'entraîner, mais ça a moins bien marché. C'est bien dommage. Parce que si on croise une cocotte... un petit peu choupette dans le coin, là. Il va lui faire fondre la glace, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est encore un mec. Décidément. J'ai cru que c'était un Sims de loin. J'ai dit, mais pourquoi il est comme ça? Il est bizarre. Ah, de loin, comme ça, je pensais que c'est un enfant. Non, c'est une bouche d'incendie. Oui, oui, Shirley, c'est bien. Lui faire nager. On peut pas nager. Il fait trop froid. Mais si on veut les tuer, nos Sims, on a bien le droit de les foutre dans l'eau glacée, non? Ou pas? Moi, si j'ai envie de les tuer. Allez, 21h10, le mec. Ah. Tu peux pas faire évoluer. On n'a pas encore niveau 2 de jardinage. À bouffer, toi. Servir le dîner. Onigiri. Allez. Moi, je vous gère pas. Ah oui, mais si j'appuie sur 1 au lieu de 3, forcément, je vais pas aller loin. Mais un jour spécial dans le calendrier pour que tu t'en souviennes. Oui, oui, je sais. Ouais, niveau 7 de la cuisine. Bravo, Gertrude. Oh, elle est mignonne, elle appelle à table en plus. D'elle-même, hein. C'est même pas moi. Par contre, lui, il est bugué. Hein. Quand il se lèvera, je le débuguerai. Parce que sinon, j'aime pas quand je vois des trucs qui restent là, ça me stresse. Travail de copeur dans une heure. Ah bah, ils vont aller bosser, les vieux. Ouais, je vais leur faire prendre la retraite quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À leur âge d'être agent secret dans la pègre, là, c'est pas terrible, hein. On gagne des sous, ça c'est sûr. Hein. Mais bon. Mais arrêter de neiger, c'est déjà ça.
Regardez, la neige recouvre tout, sauf le tapis de yoga. Le tapis de yoga, lui, il a de la chance. Alors, mon biquet, je vais te... Viens là. Schlack, voilà, comme ça, t'es plus buggé. Tu vas me faire un petit pissou. Parce que d'ailleurs, je suis dans la lampe, je suis pas dans le pissou. Un petit pissou. Un petit pissou. Et Famy, tu vas manger ça. Et après, tu iras prendre une douche. Ouais. Une bonne petite douche. Tu seras prêt pour aller bosser. Et tu vas discuter, consulter les réponses, discuter, écrire une lettre. Non, alors plutôt demander une carte postale. Barnacle. Ouais, je peux, ça y est. Ça, c'est cool. Barnacle et Little Haven. Ouais, je sais, j'ai un accent incroyable. Et chant les Sims. Oh, les, je pourrais en demander trois d'un coup. Chamallow, il est comme moi, 21h au lit quand je suis en crise. Ah bah... Ça m'arrive hein, de me... Mais c'est très très rare que je me couche à cette heure-là aussitôt. C'est vraiment ce genre, j'ai pas dormi de la nuit ou je suis malade et tout quoi. Mais c'est très très rare. Ils mourront au travail? Bah non, quand même. On a quand même bien travaillé avec eux. Hein. Franchement, lécher les bottes du patron. Ah bah, y a pas eu le temps. 2300 et 2282. Elle va faire pipi là-bas parce que ton fils il va occuper la salle de bain après. Ce qu'elle veut, elle. Prendre les restes. Tu t'exprimes bizarre, toi. Avec des grognements. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais t'es qui, toi? Mais casse-toi de là. Mais j'en ai marre à chaque fois, là. Qu'il y a toujours des gens chelous qui viennent dans la baraque. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui rentre chez lui qu'il faut emboîter le pas, hein. Casse-toi. Oui, ça sent bon, mais c'est pas pour toi. Dégage. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Jamais je me couche à 21h. Moi non plus, mais bon, ça m'est déjà arrivé de m'endormir à 19h dans le canapé, quoi. Parce que fatigué, parce que très fatigué, parce que malade. Et puis voilà, quoi. Ou si des fois tu fais nuit blanche aussi, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il a? Aucune attache. Il est content. Bah putain, on va le mettre en couple, il va tirer la gueule, hein, moi je vous le dis. Ah, dommage. Axel, tu es le maillon faible. Au revoir. Je vois des traces de pas. On va regarder ce qui est passé dans le coin, à part elle, là. Elle vaut pas le coup. Les autres, ils ont des pop. Ouais, mais... Ouais, non. Bah non. Non. Elle est un peu vieille pour lui, quand même. Bon, on s'en fout qu'elle soit vieille ou pas, hein, mais bon. Faut quand même essayer d'avoir de la qualité, hein. Non, mais dis donc, parce que si on prend une trop vieille, elle va pas supporter les multiples assauts fougueux de notre chamallow, hein. J'ai toujours voulu voir la rivière Simomon. Simomon. Je ne connaissais pas. Je demanderai à mon nouveau correspondant de Riverview de me la décrire. Ah, de Riverview. Oh. Allez, arrête. Ah, t'inquiète. Tu vas trouver un correspondant. On les enchaîne. Et tu vas écrire une lettre à... Riverview. Si je suis pas trop dans les choux, je pense que pour l'instant, j'ai bien suivi. Et on devrait recevoir des cartes postales, assez cool, quoi. Ça m'arrive des fois de m'envoyer à 21h, voire avant, mais c'est jamais voulu. Ouais, mais Céline, tu te lèves à 5h, c'est normal que tu... ça me choque moins, tu vois, mais... Je poste un message. Est-ce qu'on peut reposter tout de suite ou pas? Discuter? Non. Ça, on l'a fait. Faut attendre. Ben, mon coco. Bon, il va bosser dans 5 minutes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Écoute, tu vas te changer, tu vas te mettre en tenue d'hiver. Et tu vas étaffer. Voilà. Bah oui, ben, ça sert à rien, c'est vrai qu'il se rechange. Je suis bête, c'est moi. Je veux dire quoi, moi? Bah quoi? Tu t'es à quelle heure? Bon,
Tu penses pas qu'il y a du ménage à faire, Emanuela? Non mais dis donc. Allez hop, ménage. Cuisine. Ménage. À la limite, elle peut aller bosser, mais Copper, il va prendre sa retraite. C'est notre héritier. Il a le droit. Négocier une prime. Vas-y, négocie une prime. Si tu veux avoir plus de thunes. La thune. Et bah voilà, 1344 simflouzes. Mais c'est bien mon cop-cop. Sous-doyer son directeur pour améliorer sa performance. Non, tu vas prendre ta retraite. Il a une belle petite prime avant de partir là. Ah bah après, t'as 6h45, c'est tôt, mais parce que c'est dans les 6h, tu vois, mais ça reste un horaire un peu moins tôt que 5h, tu vois. Oh, et alors, ma plume sur ta peau était médiocre, mais il gagne quand même 51 simflouzes, le petit. Tiens, tu vas discuter avec les collègues encore. Faites-moi voir l'aspiration. Non, il est toujours à zéro, hein. Ah, nous avons sûrement... La fin d'Emanuela est proche. Profiter de ses derniers jours de vie. Ouais. Elle va crever sur une étoile, sur un oreiller. Et la vieille, elle est tombée dans la neige. Dommage, on a raté ça. Moi, j'aime bien moquer. Oh ouais, elle va crever. Et on a sûrement des nouvelles cartes postales. Pour la collecte, c'est vraiment bien génial. On aura peut-être fini au jour aujourd'hui. Pardon. Salut André Queen, comment tu vas? Vas-y Emmanuel, va claquer au sol. Qu'est-ce que c'est cette vieille trace là, dégueulasse? Qui c'est qui a pété un peu fort là? Bon, elle a vécu 156 jours en même temps, il est temps pour elle de crever, hein. Oh, Copper aussi va y aller. Oh, ils vont partir en même temps. Ah ouais, non, il faut qu'il se trouve une meuf là. Il faut qu'il se trouve une meuf. Bah dès que c'est le week-end, on va sortir. Là, il est vendredi, on va sortir. On va aller en boîte et tout. Il faut qu'il sorte pour qu'on on trouve de la chair fraîche. Non, parce que voilà, dans le coin, on a des machins comme ça. Ça va pas être possible. Hein. Moi, je veux des héritiers d'une certaine qualité. Hein. Donc, on a besoin d'une certaine qualité. Ça, c'est un gars. Putain, mais il n'y a rien dans le coin. C'est mortadelle. Hein. Oh, ça, c'est cadeau. Donc, non. Plus, il est pas beau. Ça, c'est de même de tout à l'heure. Ok, bah. Il n'y a rien. Il n'y a rien à bouffer. C'est triste à en mourir. On ira à Windenburg, à la boîte à Windenburg. Bah, sinon, tu peux pelleter ici. Hein. Vas-y, il y a de quoi faire. Tue-toi à la tâche. Oh, cop, il va mourir. Ça me fait plus de peine pour lui que pour elle. Hein. C'est normal, cop, c'est notre héritier. Voilà, c'est... On va draguer des meufs, c'est ça. Dans la femelle. On va draguer de la femelle. Mais il fait pas connaissance. Il me stresse. Copper est en train de ronfler tranquille. Il ronfle sa meilleure vie. Ah voilà, il va nous faire une petite excellence là, une petite promotion, cop-cop. Cop-cop. Cham-cham. Après Sam-Sam dans le Legacy, c'est Cham-Cham dans le Note Soberry. Vas-y, fais connaissance là. Ah. Mais même pas! T'es nul! Vas-y. Alors, on est à combien? Attendez, moi je... Oui! Little Haven, on en a deux!
Ça, c'est... je vais le noter sur ma petite... Ah, je l'ai fait deux fois, je me suis trompette. Little Haven, je vais en prendre une. Parce que comme ça, ça m'évite d'avoir des doubles. Ici. Pff, allez, Barnacle Bay, on en a deux. C'est pas Tabarnak, c'est Barnacle. Barnacle Bay. Ça, c'est bon, on en a deux également. 55 55 Simflood. Et on a Chant les Sims. Oui. On peut le faire aujourd'hui, la collecte. On peut la faire. Et là, on en a pas. Alors, attendez. 5... nous sommes à 11. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 11 cartes postales sur 14. Ouais, vas-y, on la fait aujourd'hui. On la fait aujourd'hui. On est à 35 minutes de live, les enfants. Donc, on peut que faire ça. Discuter. Consulter les réponses. Allez. Discuter. Alors, demandez une carte postale. Riverview. Sortez les mouchoirs pour Cop Cop. Ah. Oh non! Oh! Ce timing! Oh non. Ce timing de l'enfer, quoi. Oh non. Ah, oh, j'ai eu trop peur. Isla Paradiso. Voilà, bah moi je continue mon objectif de... voilà, quoi. Maintenant il s'en va. Adieu, Code Cop. Tu as créé un correspondant. Oh non. Attendez, je vais faire la... Faut trouver la... Oh, il est beau. On va faire la miniature. Avec le gros, la grosse morve qui tombe, là, tu sais. Oh non, Cop Cop. Je pensais qu'il aurait encore un jour ou deux, moi. Il va faire comment pour draguer les meufs? À défaut de lui trouver une femme, il aura fini sa collection, c'est ça, il pourra se toucher devant la collection de cartes postales. Ouais, sa femme, elle en a rien à carrer. Elle s'en fout. Elle est endeuillée, mais... c'est vrai qu'ils étaient pas mariés. Hein. Voilà, Cop Cop est parti. Ça a été rapide. Hein. Là, pour le coup... Ah bah, qu'est-ce que tu viens faire? Oh putain, oh, t'as fumé quoi, Sakura? Parce que là, tu fais peur. Oh non. Cop copain, mon petit Cop Cop. Le bidon plein, ça fait du bien. Oh là 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 là. Tu vas écrire une lettre à Isla Paradiso. Et écrire une lettre à... c'était quoi le... C'était... Riverview, allez. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, changer de tenue. Oui, bah tu le feras après et fais-moi ça déjà. Tu vas bloguer à propos de tes sentiments? Écrire. Écrire un livre de genre triste. C'est juste histoire de commencer le livre. Qu'est-ce que vous avez comme titre? La renifler la fleur de Strangerville, c'est ça. Au-dessus, au-dessus de cette coucou. Alors, qu'est-ce que vous avez comme petit titre sympathique pour un livre triste, hein, triste. J'aimerais avoir des cartes postales de tous les pays, ça serait trop cool afficher sur mon mur. Mais il y a moyen, je pense, Muscat, si justement tu regardes sur internet, d'avoir des correspondants, justement, tu vois. Je sais pas, je suis sûre que t'as des personnes qui doivent le faire. Au moins des grandes villes, tu vois. Je suis sûre que c'est possible. Et oui, Quentin. Vous êtes tous à propos du daron, quoi. Je vais prendre la propos... Ah, j'ai pas réussi à copier-coller. Ah,
c'est bon, la proposition d'Anaïs. Le jour où j'ai perdu mon père. Le nom de la rose, c'est déjà fait. Non, pas du tout. Ce sera pour une prochaine. Ouais, il vient juste de partir, là. C'était genre, j'ai vu un message dans le chat, c'était... préparer les mouchoirs pour Cop Cop. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Et juste après, hop là, il meurt. Le timing affreux, quoi. Le timing affreux. Dis-toi qu'après, tu vas être dragué, hein, mon petit, donc... Bah oui, bah... Présentation amusante. Hey, dans quelques années, c'est moi qui vais venir te chercher. Quand tu ne seras plus d'aucune utilité de ces chamallows, je vais te laisser crever aussi, comme mes prédécesseurs. Salut, moi c'est Chamallow, j'aime le rose. Vous ne passerez pas. Bah oui, mais reste pas à moitié à poil, et Gourjas, va. À la limite, j'aurais préféré que tu partes avant. Bon, elle va pas tarder. Je me souvenais plus qu'on avait eu la notif la semaine dernière comme quoi Cop Cop allait partir. Vraiment. Allez. T'as augmenté ton niveau? Allez, va au niveau 6. Après, on va te remettre un peu d'aplomb et puis on va en boîte. C'est difficile, hein. Allez, biquette, tu peux y arriver. Eh oui, allez, 3%, 2%, 1%. Allez, c'est bon. Arrête-toi d'écrire, tu vas y bouffer. Ouh là là, faut que t'ailles pisser aussi. Pipi, télé, allez. Regardez la chaîne actuelle. Je vais regarder s'il se passe des trucs sympas dans le quartier. Non, pour l'instant... J'ai l'impression que c'est difficile de trouver une jolie demoiselle qui recherche un mec mortel. Bah lui, s'est cassé la gueule. Ah bah les deux, en même temps en plus. Dans le coin, à Monkomorebi, c'est pas très 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 fréquenté. Hein. Donc on va vraiment aller en Tebois. Il va être 22h. Oh, et tu te calmes, hein. Enfin, j'allais dire... Tu t'excuses. Non mais dis donc. Ouais, hey, tout va bien, hein. Ouais, en forme, tranquille. Ah, mon mari, il est mort. Enfin, il s'était pas marié. Parce que, en fait, c'est peut-être un bon truc. Parce que s'ils sont pas mariés, ils ont pas le double truc. Parce que là, elle a le triste plus 3, mais elle a pas le veuve. Ça peut être un bon truc pour éviter d'avoir des sims trop tristes. Ne pas les marier. Ça marche bien. Vas-y, mais regarde la télé. Oh là là. Je t'ai fait manger pour que tu regardes la télé en même temps, Jean-Claude. Hein. Voilà. Oh, bah dis donc, c'était difficile. Coucou, Super Angel Girl. Pas de soucis. Pas de soucis. Go danser pour oublier. Bah ouais. Divorcer avant la mort. Bah non, parce qu'ils seront quand même tristes de divorce, en fait. C'est juste pas les marier du tout. Si j'oublie pas la fin du match, je t'envoie un P d'un site d'échange. Ah, mais tu vois, ça existe, Camille. Ah, mais c'était sûr. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. C'est sûr que ça existe, ce genre de truc. Genre des grandes villes et tout, des capitales. Je suis sûr que ça... Ça va mieux. Elle va faire pipi. T'as raison. Plus il est un peu fatigué. Tu vas prendre une douche tonifiante, ça va te faire du bien. Et on va en Tebois après, il est minuit, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'heure pour s'amuser. Bon, faut que tu trouves une femelle. Allez, hop, on est parti. Ah, mais c'était sûr que ça allait exister. C'était certain. Donc, on va aller à Windenburg, au bras de Narval, du Narval. Parce que je me dis qu'il y a toujours des trucs. Il y a toujours du monde. Je suis bien en forme. Il faut bien. Hein. C'est parce que je suis morte plein de fois sur Phasmo tout à l'heure, donc c'est pour ça. Je profite. Attends, tu veux faire un ange dans la neige?
Tu vas te divertir là. Voilà, c'est bien. En attendant que les gens arrivent. Ah, du fantôme! Trop cool! Ouais, dommage, elle a les yeux marron clair. Aurore Tyrion. Ouais. Viens danser. Tiens, Tabasco! T'as du surpoids, mon coco. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Non, c'est dommage. Ben voilà! Ça va mieux hein, d'un coup. Hein. Papa est mort, mais on s'en fout. Hein. Nous, on sort, on s'éclate. Hein. Elle fait des duels de danse. Faire de l'exercice. Vas-y, fais des abdos. Fais des pompes. Étire-toi. Ça, c'est quoi ça? C'est vieux, ça? Non, c'est jeune adulte. Ouais, mais elle a un menton chelou. Bon, après, j'aimais bien son style, mais... Ouais. Chantal Rainbow. T'es qui, toi? Clément Émilie. Oh là là, je vois pas du tout qui tu es, mais tu fais partie de la famille éloignée, toi. Ça s'appelle Rainbow. Non. Tiens, elle est belle celle-là. Allez, on va prendre la celle qui est en rose là. Elle est belle. On va faire des beaux bébés avec elle. Je plaisante. Du coup, tu sens plus viande. C'est exactement ça. À force de mourir dans Phasmo et d'errer dans les toiles d'araignée du Mordor là, ben je me sens vivante sur les Sims. C'est exactement ce truc là. Bon, y a pas grand. C'est pas de la qualité, hein, on va pas se leurrer. Il y a un peu de monde, mais bon. Et elle aussi, elle sort en boîte alors que son daron il est mort, quoi. C'est Sims. Et bonne nuit, Quentin. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Duel de danse. Allez, tu vas défier ta sœur. Hop. Cela, bon. Ah, attends, la serveuse. Ih. Ah, tu commences à être un peu vieille, hein. Mais t'es pas mal. La serveuse est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il y a de mieux dans la soirée, en fait. Allez, cassez-vous, là, on a un duel à faire. Ça y est, il est triste, maintenant. Attends, elle a commencé, là? Ouais, ça marche vachement bien, dis donc. Allez, Sakura! Moi, je fais mieux, hein, quand même. Bon, la musique, elle est pas terrible non plus, j'ai envie de te dire, donc... Amy! Ah, hein. Comment ça s'appelle, ce syndrome, déjà? À sa mère, à qui? Ah, bah voilà! Waouh! Ah, c'est pas de la simbrumba, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Il y en a une là, l'ongule du bassin, laisse tomber. Hein. Alors, oh ben, ah putain, elle a pris un sacré coup de vieux, hein. Elle est... Ouh, oh non. Je voulais qu'il lui reparle, mais elle s'est barrée. Putain. Oula, qui c'est qui va exploser, là? Emma House. C'est la femme du docteur.
Oh non! Elle est où? Vas-y, appelle-la. Puis tu vas la draguer. Elle ressemble... Je sais pas du tout. Bon... Non, pas spécialement, parce qu'elle est rousse. Elle a des yeux bleus. Ça va, hein. De toute façon, la couleur des cheveux, on s'en fout. Non, elle, non, c'est juste pas possible. J'ai cru qu'elles étaient toutes nues, là. J'ai eu peur. Amy dort. Oh non, mais c'est une blague. Je voulais qu'il trempe le biscuit ce soir, moi. Mais là, il y a vraiment pas grand-chose. Le seul machin qui est bien, à part notre sœur, c'est elle. Eh, what the fuck? Oh putain, je suis partie dans les... Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, je suis tristesse. Bon. 3h du matin, allez, on va rentrer. On a rencontré une meuf. À voir si ça peut être pas mal. Il va rentrer, il va se coucher. Quand il se réveillera, on rappellera. Bah non, même pas pécho, non. C'est nul. Je pensais quand même, mais non. Il est le temps de... Il lui a dit bonjour et s'est dit bon bah moi j'ai fini mon truc hein, je me casse. Hein. Bon les femelles là. Parce que là on va avoir besoin d'une femelle pour pouvoir faire la ménage. Okay, il va falloir trouver vite hein, parce qu'elle va pas tarder à y aller non plus, Emmanuela. Donc... Après ça va pas être cool. Pardon. Mince. Va te coucher, ça fera passer la vie plus vite. La journée de jargon de pirate. Arrgh. Syndrome de Deep. Ouais. Bah, si elle ressemble pas à sa mère, quand même. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. On va voir, on va chasser, hein, on va checker s'il n'y a pas autre chose ailleurs, mais... Ah là, ils se lèvent tous pour Danette, tu vas te donner des paroles d'encouragement dès le réveil, ça fait du bien, après tu iras faire un petit pipi. Parce que le pipi, c'est super, tu vas prendre des restes. Tu vas discuter, consulter les réponses, tant qu'à faire. Discuter. Est-ce que tu peux demander une carte postale? Je sais plus si on l'a déjà demandé. On l'a déjà demandé? On l'a demandé, je crois. Après, c'est pas grave si on en a plusieurs. Hein. En vrai. Surtout pipi du matin. Oui. C'est sacré le pipi du matin. Oui, Riverview, je l'ai fait. C'est pas grave. Tac, discuter et trouver un correspondant. On s'en fout, tais-toi. Casse-toi. Va faire ta vie. Extraordinaire, ce correspondant vient de Lunar Lakes. Ah, et en plus, on a reçu du courrier. La la la. Je pense que là, on arrive à... On arrive sur la fin. Et tu devais pas manger? Pourquoi t'as pas mangé? Un pain à la banane. Oh, bichette. Encore? Mais pourquoi j'ai eu deux annonces de... J'ai eu deux annonces de courrier. Normal. Tout est normal. Oui, bichette. Oui, t'as qu'à te changer toi-même, non, Midi. Oh, ouais. À quel âge? Plus de mettre des couches le matin? Petite musique que j'aime tant. Alors, nous avons Isla Paradiso. Merde, j'en ai redemandé. Isla Paradiso. Ouais. C'est pas grave, on aura en double.
Là, on a Riverview. Oh, ça, c'est bien, ça. Mais ça va, on va trop vite, en fait. Et là, c'est bon. Mais il nous en manque pas beaucoup, hein. Il ne nous en manque pas beaucoup, j'ai envie de vous dire. Oh, il nous en manque une. Bah, c'est Lunar Lakes, du coup. Parce qu'on fait pas, là, les... Parce que c'est complètement aléatoire, on a aucun... Oh, putain. Il nous manque Lunar Lakes, les enfants. C'est incroyable, du cul. Écrire une lettre à... Là, vas-y, dépêche-toi. Ou c'est la dernière, mon coucou. Si tu l'as fait, en plus on est samedi, c'est-à-dire que demain il n'y a pas le courrier, il va falloir attendre lundi pour valider. Qu'est-ce que c'est que cette poste là qui poste, qui vient pas décoser le courrier le dimanche, non mais dis donc. Vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? Après avoir fait la collection basique et comptabilisée comme collection complète, tu pourrais faire le délire avec le hamster. Peut-être, peut-être, peut-être. Tu peux écrire, reprendre l'écriture de ça comme ça, il va le... Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. Oh là, j'ai du mal là. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui toquent chez nous? Oula, oula, ma cocotte. Je sais pas ce que t'as pris, mais c'est de la bonne. Hein. C'est de la très très bonne. Toi, tu vas la faire rentrer. Parce que si les meufs, elles viennent... Elle a encore des seins très très haut perchés, hein. On va pas se leurrer. Elle a des méganichons très très hauts. Hein. C'est, dans la vraie vie, ça, c'est pas comme ça, là, les enfants. Elle a un peu fumé. C'est ça. Ou ce gredin. On s'en va, tu vas être poli, hein. Amical, présentation poli. Possiblement une alors, ressemble trop à des vovos à mon goût, mais voilà. Possible peut-être pondeuse. Qu'est-ce que c'est que ces airbags? on fait le marché. On fait le marché et on décidera après. On va comparer tout ça. Hein, les biquettes. Écris ton bouquin, là, ton bouquin. Non, ça courra, j'ai pas le temps. Oui, oui, c'est la tienne, Anis. Ouais. Tu vois, elle s'est dit, ah bon, on m'a mis pour que je me reproduise avec l'héritier. Bon, bah, je vais aller voir, alors. Elle a tout compris. C'est, ouais, c'est un soutif très, très push-up, là. C'est pire que push-up, c'est... Pierre, ils sont gros, les nichons, hein. Ouf. Quand elle sera enceinte, je sais pas ce que ça va donner. Hein. La vache. Elle pourra plus mettre ce pull, hein, ça va pas être possible. Oh, Martial. Non, ça va. Bon, elle est mignonne. J'ai l'impression de voir des vovos, mais elle est mignonne. Et Barbie. C'est Nabila version blonde. Pardon, excusez-moi. Je vous ai tapé dedans. Allez, tu fais ton bouquin. Pourquoi ça... Ah si, ça avance un peu. Arrête de chialer, là. Triste plus 5. Eh vas-y, lui, il est plus triste que sa mère. Mais sa mère, elle est triste plus 3. T'as toujours été louche, Emmanuela. Moi, je te le dis. T'as toujours été louche. C'est pas un souci, Anaïs, t'inquiète pas. Qui c'est qui est là? Ah, t'es trop petite, toi. Tyrion Dex, ça s'appelle, en plus. T'es un peu trop jeune, là, pour la reproduction. Oh, par contre, t'es choupette, hein. Regardez-moi cette petite bouille. Elle est trop mignonne. Oh, biquette. Oh. Mais non. Non, pas envoyer un sodomie. Je voulais voir qui tu étais. La Downberry et Cécile Tyrion. Down, c'est pas une fille, normalement? Elle est mignonne. Mais bon, c'est une enfant. Elle a rien à foutre, là. Tiens, tu vas tout vendre.
Tu finis ton bouquin? Allez, c'est bien, va dire bonjour à la, à la, à la prétendante. Voilà. Tu vas demander à Amy de venir aussi. Ah, j'ai déjà pris le courrier. Je suis trop pressée, moi. Par contre, oui, tu vas mettre un éditeur. J'ai pas eu le temps de lire. Attendez, quoi? Un livre triste. Ouais, mais c'est quelle qualité? Excellent! C'est bon, il a fait son premier bouquin. Ah, cool! Mais pourquoi tu veux pas vendre les patates ici? T'as pas accès? Ah, bah elle est là. On va pouvoir comparer. Elle est partie, l'autre, tu vas me dire. Je suis sûre que l'autre, la blonde, elle est partie. Comme ça, tu peux pas comparer. Mais j'ai pas bougé, je me suis noyée. Mais scrogneugneux. J'ai envie de dire scrogneugneux. Hein? Scrogneugneux de schneugneux. Mais c'est que des mecs qui se baladent dans le coin ou... Il se passe un truc, là? C'est que des gars. Bon, alors, et elle, en pleine journée, qu'est-ce qu'elle donne? Elle a l'air d'être aussi shootée que, les, que tous les autres, hein. Elle est choupette, hein. Hey. Des bisous, Super Angel Girl, bonne soirée à toi. On n'aurait pas essayé de te faire toi en enfant. Hein? Qui? Quoi? Elle est bien, elle, hein. Elle est un peu vieille. Elle est à 21 sur 24. Va falloir pas tarder si, si on la prend. En plus, elle est déjà dans toutes ses... Attends. Au pire, on la prend et on la retourne. Et puis, on la rend au concessionnaire. Ah oui, c'est vrai que il est froid. Ah non, bah moi je touche rien, je pense pas, non. C'est un des foyers que mes abonnés m'ont fait. Après, ben il y en a, ils datent de la toute première génération, donc ils ont fait des bébés, et puis le nom de famille continue d'exister, mais moi j'ai plus rien à voir dans le... J'agis pas, en fait. Avec les grossesses, ça devrait être du même âge que Chamel. Oui, c'est ça. Donc il y a moyen, hein. Ah bah... complimenter lourdement. Oh non, mais regarde, elle en peut plus là. Arrête d'être triste toutes les deux secondes, chamallow. Non, non, mais quand même, les enfants, regardez. Moi, j'ai envie de dire quand même. Belle gosse. Accolade gênante. Elle est quand même... Elle a pas une carrière très très... Hein, mais bon, on s'en fout. Elle drague un peu. Bon sang, bonsoir. Essaye de flirter. Encore les connasses de voisines. Elle est mixologue à cet endroit, oui. Maman, n'essaye même pas. Laisse ton fils tranquille, il est en train de gérer des affaires, là. Hein? Oula, 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 oula. C'est quoi tes traits, meuf? Commence pas à me casser les noix. Hein. Parce que là, tu rejettes mon héritier, ça va pas aller. Hein. Allez, j'ai mis la journée. Raconter une histoire d'océan. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas te relaxer la nuit, hein, tu vas voir. Hein. Ça y est, il va bien. Mais non, tu vas bien, t'as dit que tu vas le complimenter. Et en amour, tu vas... Flirt. Je sais qu'il faut que c'est un jeu là. Que même. Vas-y, échange les numéros de téléphone.
Ah, ça y est. Ça y est. R devient coquine, faut en profiter. Pardon. Je me laisse... Elle est belle quand même. Oh, elle dit pas non. Oh, elle fait des bisous. Elle fait des bisous. Prends-la, retourne-la. Tu la prends, tu la retournes. Allez. Allez là, cham cham. Trempe le biscuit. Bon, est-ce qu'elle est célib? Elle a pas d'enfant. Peut-être qu'elle est en couple quand même. Ouais, complimenter lourdement l'apparence, c'est moins pire qu'autre chose. Elle est célibataire. Je vais reflirter. J'ai oublié qu'il était froid. C'est chiant, en fait. Essayer d'embrasser sous le guide. Technique de dragose. Vas-y. Allez, tais-toi, meuf. Mais quoi? Mais pourquoi d'un seul coup? Ouais. Tu... Mais non! Je t'avais dit non, Putain. D'un seul coup, elle réduit à zéro les efforts qu'on fait, en fait. Non, il n'a pas trempé. Il a le biscuit sec, lui, hein. Ah, mais vas-y, t'es relou! Oh, je suis désolée, Cham. On va demander conseil, puis après, on va sortir. C'est pas grave. Tu vas sortir. On va aller en te bois. Pendant que ça claque les portes. Si on trouve pas mieux, ce sera elle, mais alors, elle est chiante. Puis le fait aussi qu'il soit triste, c'est relou, quoi. Voilà, on compte embarrassant, drague désastreuse. Ah ça oui, c'était pire que moi. Quoique. Non, parce que toi j'ai confiance, tu trouveras quelqu'un. Me concernant, c'est pas la même histoire. Tu vas ensuite... Ah mince, tu peux pas prendre une douche embuée. Contempler les vagues. L'inspiration, mini baignade, tonifiante, rêver d'océan. Enjôleur, ok. Ouais, bah, barre-toi. Est-ce qu'on va dans un... On va où? On retourne dans une boîte? On va dans un bar? Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille... On aille où, plutôt? Ça va être dur de trouver mieux. Elle est trop belle, j'avoue. Elle est bien. Elle est très très bien. Un bar? Et on va où? Dans quel bar allons-nous, les enfants? Si vous avez une idée. Mais arrête! La mère, là, s'en fout. Puis en plus, t'as envie d'agresser notre héritier, là. Vas-y, fais ta vie, on s'en fout de toi, la vieille. Tu claques quand, là? Je suis affreuse. Tiens, avant de partir... Ah, je peux pas demander. Je refais un correspondant, mais... Widenberg, Saint-Michuno... Ah, peut-être Saint-Michuno pour changer, en fait. Ouais, parce que Windenburg, j'étais à la boîte, là, pour changer. Le bar. Ah, c'est celui en hauteur, je crois. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment du monde qui y va, mais on va tester. Hé, hey, Jean-Claude, viens. Pourquoi ça... Ça lui a rien servi, hein. Allez.
Bonarlex. Train correspondant. Allez, go. On y va. On est en chasse, hein. On est en chasse. Il y en a, ils chassent les fantômes. Des fois, je chasse les fantômes. Là, je chasse de la femelle. C'est un bar à cocktail. Bar à karaoké. Non, on va aller au bar à cocktail. On y va tout seul. J'espère qu'il n'y a pas de tempête de neige au bar panoramique, sinon il n'y aura personne. Oh, mais c'est des Sims, ils s'aventurent tout le temps. Quitte à crever glacé, ils s'aventurent. Ça neige. Ça neige, ça neige. Est-ce que il y a un miroir là-dedans? Non, il n'y a même pas de miroir. Ah. Vas-y, tu vas chanter en solo. Ous, pour ton amour. Allez, attends que les gens arrivent. Ah! Dommage. La 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 la. C'est une vieille. Vous voudrez la musique, nous, s'il vous plaît, les Sims? Vous voudrez entendre Chamallow chanter? Oh! C'est un lit quelque part pour qu'il puisse chialer ou appeler SOS Tristesse. Ouais. On va appeler SOS Tristesse en plus. On l'entend pas chanter. Bon, lui, c'est la deuxième fois qu'on le croise. Hein. Narcisse. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Y a pas beaucoup de monde. Il y avait plus de monde à la boîte. Hein. Au pire, si je vois que ça marche pas, on retourne à la boîte. Hein. 14h. S'il y a personne qui se pointe, on retourne dans les bras de Nerval. Hein. Mince. Jimmy's click. Bon, c'est pas terrible. Hein. Bah, t'en as des malheurs à raconter, dis donc, Michette. Parce qu'on voit le... Oula, puis madame est... Un petit bidou, hein. Ouais, bon bah allez, on se casse. C'est naze, y a pas d'ambiance. C'était nul. Comme dirait Homer, c'est nul. On retourne à la boîte. Oh la teubois, on va peut-être revoir Amy. Si elle est de service. Comme par hasard. Ah bah! Coucou! Regardez-moi ça! Coquine, comment tu vas? Oh, tu es bien habillée! Ça te va bien! Ouais. Soup de Stevie! Fwingle zibs, fwingle zibs, fwingle bazulorn! Par contre, je peux l'inviter à rejoindre mon foyer. À partir de là, ce sera beaucoup plus facile pour la draguer. Hein. Plus de choix. Oh, mais elle est chaude comme la braise, la meuf. Chaude comme la braise. Putain, mais à chaque fois, je... Oh, Vadish. Attends. Discute des méthodes de concentration. Mais non! Oh là là, puis tu vas la faire partir. Ah ouais, la vieille, elle a déjà pris son service. Oh purée! Alors madame, il y a un problème de maquillage ou
ou alors vous n'êtes pas très, très 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 entièrement humaine. Oh, j'ai rien contre la diversité, mais quand même. Oh. Oh. Madame, excusez-moi, a sorti son vison. Ouh là là, madame la comtesse. Oh là 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 là. Fais voir, toi, ça m'étonnerait, mais non, bah oui, bah non. Oui, mais non. Oh là 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 là. Mais dis donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes un... Est-ce que vous avez perdu vos ailes et tombé du ciel parce que vous ressemblez à un ange? Oh ben elle travaille pas! Oh ben... Ça y est, il en peut plus. Ça y est. Ah, faut que tu demandes quand même si elle, elle est célib ou pas, hein. Demande-lui. Demande-lui. Offrez-lui une rose. À la couleur de ses cheveux. Sorry, I am late. J'étais en appel coaching CV avec une amie de ma maman, mais me voilà, n'ayez plus peur. Est-ce que ton père a volé toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux? C'est ça. À défaut de les mettre dans son cul. Coucou Marie, comment tu vas? Regarde son âge, tout à fait. Bon, elle est plus jeune que lui, mais c'est pas ça, ça va, ça passe. C'est pas grave. Aïe 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 aïe, elle aime le rose, hein. Enfin, le violet. C'est romantique. Madame la comtesse, duchesse, tout ce que tu veux là. Ah oui, hein. Regarde ça. Et coucou, la fibre de Shirley, ça fait plaisir de te voir de retour parmi nous. Tout à fait. Vive la fibre. Elle est bienveillante. On va pas partager des astuces de célibataire épanoui, parce que si on veut la... Ouais, j'ai envie de la prendre et de la retourner, mais en fait, elle est tellement mignonne et douce et toute choupette que j'ai pas envie de la salir comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah oui, t'as raison d'avoir peur de la meuf bleue. Parce que perso, j'ai eu peur aussi en la voyant. Plus, on dirait qu'elle a un alien dans le tiroir. Il y a un problème quelque part là quand même. Hein. Madame, elle s'appelle Manon Williams. Qui sont tes parents? Elle a pas de parents. Elle est sortie comme ça. Elle est apparue dans un coin d'un buisson. Et puis... Bon, moi, je dis déjà, ici, ça, il se passe des trucs. Hein. Chuchote-lui des banalités. Taquine avec appréhension. Je pense que mon petit... Chamallow. C'est la troisième, mais là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa bouillette. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh, ne lui maltraite pas sa petite vertu et sa petite peau délicate de petites pétales. Elle est née dans un chou comme tous les enfants. Troisième, c'est la bonne, on dit toujours, bah je sais pas, mais... Faire un massage sans conviction. Oh. Elle est enjôleuse, hein. Je pense que... Le contact physique est établi. Oh, j'ai pas envie de la brusquer. Elle est vraiment magnifique, hein. Attendez, là, quand même, dites-moi. Des beaux yeux verts clairs. Moi, je sens le couple goal, quand même. Là, je sais pas vous, mais...
Il va forcément la salir, il en a depuis une adolescence, tu m'étonnes. Parce qu'en fait... Oh, premier baiser. Madame Cham Cham, c'est ça. J'ai envie de la courtiser plus que de la reprendre et de la retourner, quoi. C'est vraiment de la courtisanation. De toute boîte. Agent 21, boule. De toute boîte. Ah ouais, on boite, nous. On boite en boîte. Oh oui. Oh oui. Chamallow. Oh oui, Chamacham. Mais la coquine! Elle a aimé ce doux contact. Oh là là! Eh, dis donc. C'est elle qui va te prendre et te retourner, en fait. On n'a pas envie de l'abîmer, mais je pense que c'est elle qui va te violer direct, hein, mon petit. Oh là 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 là! Mais oui, mais j'ai pas envie d'aller dans le placard. J'ai envie de lui faire un petit rencard, tu vois, le truc officiel et mignon. J'ai pas envie de la salir, cette demoiselle. Je suis horrible. D'habitude, je suis horrible, hein. Je parle des meufs comme... C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre, les enfants. Regardez-moi ça. Il n'y a plus rien qui existe autour d'eux. La brune, c'est, la rousse, elle est finie. La blonde... Sianana. Cucu, Sianana. Comment vas-tu, poil au flux? C'est beau. Je dis juste, tu reviens, parce que j'ai pas fini de te parler. Je dis juste que c'était destiné. On était tous les deux destinés. Lila se demandait pourquoi, toi et moi. Allez, viens, il a un boulot en plus. Allez. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, en plus, elle le rassure. Il se fait consoler par Marina. Oh. Oh. Bon, mademoiselle, je tiens à vous dire que demain, on vous courtise. Et puis c'est tout, quoi. On vous courtise et après on vous prend et on vous retourne. Mais on vous courtise avant. Ce sera un peu plus distingué. Il est 6h du matin. Allez, on rentre. À un moment donné, c'est pas possible. Non, pas de bébé. Enfin, bébé, peut-être. Après. Mais là, il va rentrer se coucher. Il a fait la rencontre de sa vie. Je ne l'emmène pas avec, hein, parce que c'était pas prévu. Ça y est, ça a été un coup de foudre. Et bientôt, ce sera un coup de foutre. Ou deux. Ou trois. Vous êtes fécondée, madame la comtesse. Oh là là, allez, va te coucher, va. Je pense que là, t'as besoin. Oh, je pense à Cop-Cop qu'il aura même pas eu le temps de profiter de sa retraite, quoi. Petite amie, c'est ça. Bah dis donc, je... Waouh! Même pour moi, ce fut un coup de foudre, au final. J'étais pas sûre pour les autres, j'étais ouais. Et là, c'est une évidence. Ah d'accord. Maman, elle se sent seule, elle va dormir avec son fils. C'est pas flippant. C'est pas bizarre, surtout. Hein. C'est pas... Oh mon fils, tu es bientôt un homme. Maman couche avec son fils alerte. C'est ça. C'est flippant, un peu. Pourquoi je peux pas... Toi, tu peux pas faire l'évolution? Non, tu peux pas. Qui a eu le coup de foudre? Cham Cham ou Shirley? Si est-ce à se demander? Je pense que c'est un peu tout le monde.
Oh, le jour où j'ai perdu mon père, 151 simflouz. Hein. Ah, ça y est, elle va claquer. Oh putain, on a besoin de nouveautés dans la maison là. Cham-Cham, Cham-Cham, tu vas devoir... hein. On n'a pas reçu de courrier. Hein. On va devoir attendre lundi. Ce soir, tu vis en couple avec ta demoiselle, je te le dis direct. Ah, désolé, Amy. T'as fait ta difficile. Fallait pas. Tu as perdu l'occasion de devenir co-héritière de la génération rose. Va te coucher car ta mère va mourir. Ouais, non mais bah, il lui reste 2 jours là. On vient d'avoir la notif donc. Il vient un peu solo, ça fait pas de mal, certes. Mais elle a une horloge qui tourne aussi, la féconde. Non, non, la comtesse, c'est vrai, la comtesse elle a un peu de temps devant elle. C'est vrai, j'avais confondu avec la rousse. C'est pas grave, il va la courtiser quand même. Sont là, on va finir la collection aujourd'hui, donc c'est pas comme si... Oh, salut la madré. Ça va mon fils, je t'ai observé dormir tout à l'heure. T'es beau gosse, hein. Ça a bien poussé dans ce libard depuis que je te changeais les couches. Et oui, maman. La petite saucisse est devenue un gros sauciflair. C'est vrai que... Bah non, mais après. Peut-être qu'après, on va relooker la maison après le live. Comme ça, si ça vous va. On va relooker la maison. Il peut la féconder, mais elle reste un peu chez elle. Non, mais bah, pourquoi tu veux qu'ils vivent en célibataire? C'est quoi la musique? C'est les Beatles ou quoi, là? Non, non, non. Oh, ouais. Après, je vais me faire enlever la monétisation. Tu vas finir la maison. Ouais, on a un bon budget là. Il y a moyen. Tu vas pas faire la vaisselle, non? T'es oufti. Tu vas méditer. Et après, tu vas inviter la comtesse en rencard. Voilà. T'inquiète, on est là. On te soutient. J'ai un petit bug là. Je vois les. Vous les voyez les trucs à travers? C'est la neige. Attends, c'est la neige sur les buissons derrière en fait. Voilà. Où est-ce qu'il en est de la méditation? Ça va. Ça va. Allez, 25%. Allez, rancard avec la comtesse. Ah, bienveillante, jalouse et amatrice d'art. Proposer un rencard de manière hésitante. Allez, vas-y. On va la regarder. La propriété venue de faire la cuisine. Oh, Shanana, l'enfer. Le truc qui tue. Ah, l'angoisse. Ah oui, c'est vrai, après le rencard. C'est à 19h. Ouais, mais c'est bon, il aura le temps de faire. Au pire, où est-ce qu'on va en rencard, les enfants? Vous avez une idée? Où est-ce que vous voulez qu'ils aillent en rencard? Putain, non, mais c'est Anana, ça tue. Oh non. Ah non. T'es dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, mais... Au moins, on est sûr que tu t'essayes pas d'en faire un deuxième, c'est déjà ça. Soulani maillot de bain. Ah, la coquine. Il faudrait un endroit où on peut faire du crac-crac, peut-être. Allez, on va aller à la plage. On est en plein hiver, ça va faire du bien d'aller à la plage. Alors, la plage, on va aller à... Ah! C'est un parc. C'est le parc que j'avais marié Hélène. C'est plus une plage, c'est un parc, mais c'est pas grave. C'est quand même... Ils iront quand même à la plage. J'avais oublié que j'avais mis ça. Eh ben, ils iront se marier, là, tiens. Plus tard. Tout. Allez, à poil! Madame la comtesse! Madame la comtesse! Mettez-vous toute nue! Pourquoi elle s'en va? Où est-ce qu'elle va? Rattrape-la! Tu la rattrapes, tu l'attaches, s'il te plaît. Regardez. Ça vous rappelle des trucs, non? Ah! Ben non, t'es moche. Ah, t'es très très moche, même. Hey! Oh, mais oui!
as fait un lapin monstrueux. Elle s'est barrée aussi sec. Mais je suis choquée. Mais oui, j'ai marié Lila ici en plus. Oh non. Aratal monumental. Oh putain. Je suis choquée. Elle a vu, elle a fait. C'est quoi ce patelin pourri là? Moi j'ai pas envie de rester là. Elle est où? Elle est là, elle est venue en vélo. Eh, tu pars pas hein. La comtesse là. Chamallow, viens. Tu l'attrapes, tu l'attaches, s'il te plaît. Quoi, faut que tu fasses le tour, ça. Non, mais t'es sérieux? Ah, ça courra, laisse-nous tranquille. Ebony. Oh. Elle a flatté un peu. Ouais, on va te la courtiser, là. Oh, que vous êtes jolie, mademoiselle. Une qui était vénère. On aurait dit un fantôme en train de chasser. Elle a vu la plage et il pleut, c'est fini, c'est ça. Ouais, je sais quoi. Bah attends, il t'emmène pas au McDo au moins. Pour un rancard, ça va. Mais tu as rendu ma journée bien plus belle. Oh oui. T'inquiète, c'est que le début. Déjà, meilleurs amis. Ah bah go, alors meilleurs amis avec cette demoiselle. Vas-y, n'hésite pas. Hein. Alors bah non, tu vas plus être célibataire épanoui mon coco, moi je vais te le dire direct. Hein. C'est fini ça. Oh, il est content. Ah, tu vas la draguer un petit peu. Avouez anxieusement son attirance. Ah, oh, j'en peux plus madame la comtesse. Non mais ouais, regardez. Mais wesh, ils s'entendent trop bien, en fait. C'est un truc de fou. Vas-y, raconte une blague sur les ingénieurs. Allez, vas-y. Flirte un peu. Flirte. Flirte. Oh oui! Oh là là, le gros palot dégueulasse avec la bave partout par terre! Oh là 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 là! Allez, elle est pas encore chaude là! Vas-y, embrasse-lui les mains, embrasse-lui tout ce que tu veux! Elle a même pas le temps de finir sa phrase qu'il la chope là! Oui. Ah non! Allez! Faut être enjôleur! On a déjà l'or, mais on s'en fout! C'est un coup de foutre. De foudre. Technique de dague pathétique, on dirait moi. Moi, j'ai arrêté de draguer depuis longtemps. Parce que je sais pas faire. Soup de dips? Yibs. Yibsy. Putain, j'ai même pas capté que je faisais la petite amie, en fait. Je vous jure. Ah, madame, va falloir aller se laver. Tu veux faire une photo? Prendre une photo avec. Ça fonctionne? Oh là là. Oh là, oh là 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 là. Oh, le gamin, si t'es choqué, tu t'en vas. Hein. C'est des grandes personnes, hein. Chamallow, il a besoin de... Hein, de faire fondre son chamallow dans le chocolat chaud. Ah, il y a le retardateur. Attendez, elle se casse? Mais c'est une blague. Mais elle s'est barrée. Elle est là. Ah non, c'est pas elle. Mais elle est où? Elle est là. Mais qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? Mais il t'attend pour la photo? Bah non.
Mais reviens, Jeannette. Mais où est-ce qu'elle est partie? Vous êtes en rancœur. Mais ça se passait si bien. Mais elle est où? L'obosimte d'innomination. Ah, oh, c'est pas grave. J'étais en train de me dire nomination de quoi? Bah, je suis désolée, son avenir amoureux est plus important, hein. On s'en fout, il va devenir une célébrité. Oh non! Mais elle est où, cette gourdasse? Je peux pas... Elle est pas dans mon foyer, je peux pas savoir où elle est. Mais pourquoi elle est partie loin avec son vélo? Ah, mon vélo! Tant pis. Non, c'est pas ça. Bah, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'elle avait de plus important à faire que de s'unir à mon petit Cham-Cham? Cela, j'allais l'inviter à la maison, en fait, pour qu'elle vive à la maison. Bon, bah écoutez. Cette demoiselle est bien étrange, la comtesse. Est reviens, étrange. Marina. Je ne sais pas. Je l'ai paumée, hein. Peut-être qu'elle est partie sur une autre île, j'en sais rien, à vélo, à pied. Elle est partie loin, loin, loin. Regardez, il en peut plus, hein. On va encore une tentative, mais... Elle est là, elle arrive. Elle était là. Et j'ai crié Marina pour qu'elle revienne. C'est bon. Mais viens, Jeannette. Mais pourquoi elle vient pas? Mais si, mais toi, casse-toi. Dégage. On veut pas te parler. Je ne comprends pas. D'ailleurs, je pensais pas que c'était possible, mais j'aimerais bien quand même le faire. Ou alors, juste une petite photo, quoi. Salut, Switzen! Comment vas-tu? Lily, elle semble se faire une méga boom dans sa chambre. Tant mieux. C'est clat. Elle est partie avec une compète de vélo avec Iowa, c'est ça? C'est l'amour. Mon meuf, ça fait 15 fois qu'on te demande de faire une photo, là, viens. Oui, bah tu te pisseras dessus après si tu veux. Allez, va faire la photo. Ça y est, oh purée. Purée de pommes de terre de petits pois. Oh. 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 C'est des amoureux. Ils viennent de se mettre en couple. Vous êtes sérieux? Vous avez que ça en photo? En pause? Ah ouais, vous avez vraiment que ça. Ah bah dis donc, il va être temps de mettre des nouvelles poses, les Sims, là, dans vos... Oh, elle est marrante, celle-là. Elle est marrante. Attendez. Clac, 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 je vais partir comme ça. J'aime bien. Elle est rigolote. Alors, je sais pas qui prend la photo, mais c'est pas grave. Ouais! Attendez. Eh ben, elles sont exceptionnelles, mais c'est génial! Viens vivre à la maison. Tout de suite, maintenant, incroyablement, tout de suite. Dingue. On ne peut plus se passer de toi, Marina. Et c'est un oui. Elle vivait avec Narcisse. Très bien.
J'espère qu'elle n'était pas en couple avec. Elle a rejoint notre foyer, c'est incroyable. On va aller vite fait, mais je pense que c'est fini, mais c'est pas grave. À Del Sol Valley. Et après, on s'arrêtera là, parce qu'on aura déjà bien avancé. Ah non, mais je voulais la dernière truc. C'est Studio BTP. Hein. Fais-nous plein de beaux enfants, Marina. On va voir, tu vas venir avec elle. Eh oui, bienvenue pour elle. C'est gentil pour elle. Elle a peur des photos, se trouve pas photogénique, c'est ça, elle est comme moi. Voilà, et Toppy Sims sont encore là. Allez, on va s'asseoir ensemble. Mais j'ai dit à vous asseoir ensemble, il y a quoi de difficile? Oh là là. Ah! Pour son écriture captivante, Shyamala Rainbow a remporté le topissime du meilleur livre. S'il accepterait cette récompense, vous la trouverez dans l'inventaire de son foyer. Oh, il a eu son récompense. Bon, l'autre, qu'est-ce qu'elle fout derrière, là? Elle gâche tout. Voilà, on va la mettre comme ça. Oh là là, mon petit cham-cham. Oh, on est trop fiers de toi. Cham-cham. Oh non, j'aurais pas cru, hein, mais bon. Surtout que ton livre était dit médiocre, mais t'as quand même eu une récompense. Oh, putain, mais l'autre, elle est chiante derrière, en vrai. Elle est relou. Oupsie. Excuse-moi, j'arrive. Bravo, Shyamala. Et sa nouvelle chérie? Bah, elle a dû partir au chiottes. Pardon, excusez-moi, c'est là. Quel discours émouvant. J'avais l'air de te rappeler tout le temps. Oh, tout le temps, ça va. Hein. Mais une fois, j'y suis déjà allée, mais pas à l'heure. J'ai quand même rien reçu, en fait. C'était avec... si je dis pas de gadrerie. Ah, c'est une véritable célébrité. Amical. Demandez une accolade. Et avec Kyle, comme il était acteur, mais à chaque fois on y allait et ça a jamais marché. On va regarder ça tout de suite. Bon, c'est juste un random, ils ont dû. Hein. Par contre, ce mec, il a un petit problème de sourcil. Hein. En vrai, il pourrait être pas dégueulasse, mais. Oh là là, je suis fière de toi, Shyamala. Franchement, t'as trop géré. T'as trop géré. T'as une meuf, une collection de cartes postales. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, à chaque fois? Tu arrêtes un peu de courir partout. Maintenant, t'es sous mes ordres. Et je peux te dire que t'as intérêt à obéir au droit et au doigt et à l'œil. Oh putain, au droit et à l'œdre, j'ai du mal là. Au doigt et à l'œil. Ah, flic. Allez, on va rentrer. Il est sa récompense. On n'a pas besoin de rester là plus longtemps. Je vais aller jusqu'au lundi quand même pour avoir notre petite carte postale pour finir la carte postale. Hélène dans Decades. Il aime les sourcils épilés. Ouais, bah un petit peu trop là. Bonne nuit, Ovo Sims. Alors, salut maman, rencontre ma copine et elle vit avec nous. Bah, tu la connaissais déjà? Bah, tu vas la complimenter. J'ai pas fait attention. Ah bah écoute, c'est chez toi maintenant, tu bouffes. Toi aussi, tu vas bouffer. Ah là là, mon dieu, c'est vrai qu'elle va direction dans le frigo, tu peux plus rien faire de ta vie. Hein. J'ai oublié cette histoire. D'accord. Tu vas prendre à manger. Et après, il y aura le premier crac-crac. C'est automatique quand un Sims rejoint le foyer. Ah bon? Ouais, c'est vrai, tu me diras, c'est logique.
J'ai faim moi aussi maintenant. Elle est vraiment très mignonne. Très très choupette. Hein. Très 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 mignonne. Ah bah barre-toi. Jacqueline, t'avais pris à bouffer? Non. Elle m'a mangé. Il vient discuter avec ton doucereux. Se plaindre de ta vie amoureuse, tu viens de te mettre en couple. Qu'est-ce que tu racontes? Un peu moins célibataire. Une nouvelle relation est un événement heureux pour tous les Sims, mais Chamallow ne peut pas s'empêcher de se demander si cela signifie qu'il aura moins de temps pour lui. T'inquiète. Je sais, Ruline, mais il a pas le truc... il peut pas. Je peux pas le faire. Je le sais, hein, j'ai essayé. Elle est pas de la famille à la mama. Qui ? Toute seule. Ta sœur, elle a pas encore fait de gosse ? Alors, Copper est mouru, mais par contre... bon, alors, Fox n'a pas eu d'enfant. Oui, il est vieux, il peut encore nous en faire. Oula ! Sunset, elle s'est mariée avec le périver. Et elle a un petit Arthur. Très bien. Et Autumn, elle a deux enfants. Vincent et Philippe. Beaucoup de garçons. C'est beaucoup de garçons, tout ça. Plus maman, elle est partie au boulot. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Marina. T'as tout compris. Ça va être sexy ce soir. Crac crac dans la douche. Non, vous allez faire ça dans le lit, hein. Draguer. Est-ce que tu aimes les hommes qui se cachent sous un lampadaire? Après, je pense que sa première fois, Chamallow, elle va pas être terrible. Vu qu'il est crevé. Ça risque de pas être terrible. T'inquiète, Chamchem, Arena est là pour la ponte et le plaisir, c'est ça. Quand tu seras stressé et que tu auras besoin de divertissement, elle sera là. Voilà Nova. Qu'est-ce qu'elle a? Illumination concentrée, triangle, on s'en fout. Tu finis de manger et puis vous niquez. Hein. Celui-là, il en peut plus, là. Bon, arrête de manger. Voilà, tu m'as gavé. Arrête de manger. T'es trop lente. Ah, bah oui, il est fatigué maintenant. Ah, ça y est, va mieux. Il est un peu chiant. Est-ce que tu... Non, bah non, mais c'est bon. Allez, crac, crac, crac. Crac, crac, crac. Elle te saoule déjà. Ah ouais, ça y est. J'ai pas la patience. Oh. Dis, ça te dit de voir si j'ai des poils de caquette qui sont tout aussi roses que mes poils de tête. Et moi, tu verras si j'ai des poils violets. Allez, ouh! Quelle jolie tenue! Sortez les bougies! Créez une ambiance romantique! Chamallow et Marina font crac-crac pour la première fois! Sortez les bougies! Créez une ambiance romantique! Marina et Chamallow font crac-crac pour la première fois! Mireux, Ricardo! T'arrives pile au moment où il y a du crac-crac, on se demande pas pourquoi! Hein. Allez hop! Va, mais couche-toi! Non, il va tomber. Ouais, il va tomber dans les pommes, cet idiot. Ça va? Ça s'est bien passé? C'est un bon coup? Hein? Tu penses. Tu peux finir ton nigiri, moi. C'était ce que je voulais, moi. Tu fais ce que tu veux de ta vie, je m'en fous maintenant. Voilà. C'était tellement bon de faire crac-crac qu'il en est. Ah, pff, par terre. Il a pas supporté la charge émotionnelle et physique que ça demandait. Il est. Ah,
Madame la comtesse a été prête, c'est ça. La comtesse Muller. Cuisine. Tiens, tu vas faire le ménage. Eh, faut qu'elle prenne le relais de sa belle-mère. Hey, va dormir. On va continuer un petit peu juste pour avoir la dernière carte postale qui devrait arriver. Moi, je l'espère. C'est bien. Hey, va te divertir, fais ta vie. 7h du matin et au taquet. Un lundi, c'est lundi matin. L'empereur, la femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Ah là 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 là. Discuter, demander une carte postale de... Je sais, je l'ai déjà demandé. Lunarlex. Mais je veux quand même demander. Allez, le courrier, le courrier, le courrier, le courrier, le courrier, le courrier. Le courrier. Le courrier. C'est à quelle heure le courrier? Oui. Le courrier. Le courrier. Elle est où cette... Cette connasse de factrice? Elle est où? Elle est où? C'est à quelle heure? C'est à 10h, je suis sûre. Il sera déjà au boulot. Fichtre diantre. Ventre Saint-Gris. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle va être mauvaise. Elle va être mauvaise, je le sens. Elle meurt quand la mère, bientôt? Elle clignote. Elle clignote, ça va pas tarder. Lui va taffer. Tu peux travailler dur, bah c'est ce qu'il fait. Le courrier, le courrier, le courrier, le courrier, le courrier. Qu'est-ce qu'on lui fait faire comme boulot à Marina? Non, tu vas me nettoyer ça, oui. Bureau des réclamations. Le téléphone sonne, Chamallow répond. C'est un client furieux qui hurle à l'autre bout de la ligne. Faut-il essayer de calmer le client ou lui demander de changer de ton? Est-ce que quoi? Essayez de calmer le client, je demandais de changer de ton. C'est vous qui votez dans le chat. Enfin, vous votez, vous donnez votre... voilà. Elle est colère, la belle-mère. Oui, c'est ça. Photographe pour Marina. Ah, j'ai pas assez de place pour photographie. C'est chiant, hein, les photographes, mais pourquoi pas. Alors, change de ton, calmer, calmer, calmer. Change de ton, calmer, calmer. Nous sommes à 5 contre 2. Est-ce que d'autres personnes veulent bien donner leur avis? Calmer, nous sommes à 6. Je pense que de toute façon, c'est... Calmer le client, du coup. Calmer, allez, c'est adjugé. Essayez de calmer le client. Allez, excuse-moi, je suis en train de lire. Malgré ses efforts, Chamallow ne parvient pas à calmer le client. Et celui-ci raccroche avant même qu'il ait le temps de transférer son appel. Et il y a des gens qui ont juste envie de crier. Alors, voyure, Emmanuela. Tu as été une bonne pondeuse. Elle est contente. Elle est joueuse maintenant. Elle crève. Oh, c'est marrant ça. Je suis en train de mourir. Bon bah je suis désolée mais... À peine elle arrive dans la baraque, elle voit sa belle-mère crever. C'est glauque. Elle va te laver. Voilà. Oh là là. Ouais, je suis d'accord. Quand les gens veulent crier, il faut leur dire fuck. Oui, non, après, si c'est ton travail, je te le conseille pas, parce que ça pourrait te retomber contre toi. C'est un peu comme quand t'es en live et que ben, t'as pas forcément envie... Enfin voilà, t'as des trolls, mais après ça dépend, parce que s'ils t'insultent gratuitement comme ça pour rien, mais s'il y en a qui te cherchent un peu, il suffit d'être plus intelligente qu'eux et pas insulter, tu vois.
Bon ben, c'était cool, Emmanuela. Enfin que tous les deux Dark Mode. Dark Mode. Si ça, ça va pouvoir baiser. Bon, il nous reste 5 minutes pour finir la journée. Parce que sinon, je suis à 2 heures de live, ça fait long. On a pas reçu le courrier. Le facteur, t'es où? Connasse de factrice. Oh putain. Et moi, je veux mon courrier, je veux ma carte postale, wesh. Je veux pas... Ah! Oh, on a eu des factures! On va payer les factures. 1219, allez! Comment ça, tu peux pas payer les factures? Ah bah si, t'es la femelle de la maison maintenant! Mais quoi? Bah oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dis donc? Paye les factures, bonsoir. Elle se dit, c'est bon, hein, je suis emménagée hier soir, tu crois que je vais payer, c'est moi qui vais payer les factures de plein pot? Bah oui. Il y a encore du courrier. Non, chevalier, il gêne pas. Bon, et ben écoute, ma jaquette, tu vas pouvoir, te faire... Hey, ça y a plus de neige, je capte que maintenant. On va pouvoir te trouver un boulot qui te prend pas tout ton temps pour que tu puisses t'occuper du... Ok. Des futurs enfants que tu vas nous pondre. Elle va pleurer, t'as raison. Non, pas dormir. Non, pleure. Tu pisseras moins. Chamallow va avoir une petite promotion. Ça va mieux, Jacqueline? Vas-y. Danse. Et tu danses ce refrain qui te plaît. On va accélérer. Parce que lui va prendre le courrier. J'ai trop hâte. Elle est jalouse, bienveillante et... Amatrice d'art. Oh, ça, j'avais pas vu. Affection animale. Elle a une aspiration animale. Et il a été promu au poste d'assistant de direction. Dégrade désormais 3 simflous de l'heure. De plus par heure, soit 23 simflous de l'heure au total. Attention. Ah, les cartes postales. C'est fait, mon coco. Objectif numéro uno. Quelle fantastique collection de cartes postales. Vous semblez avoir une carte postale de tous les recoins du monde. Ah oui. Même celui dans mon cul. Hein. C'est où? C'est la... Elles sont où? Je les ai... Ah, c'est là! 50 Simflous Lunar Lakes! Oh, pop. Ah, c'est beau. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, puisque ça fait 1h59. Donc je vais m'arrêter là-dessus, je vais enregistrer. Regardez, il est content. On a fini la collection, il est content. Ses parents sont morts, il a une nouvelle copine. La semaine prochaine, on commencera les gosses. N'hésitez pas à mettre des prénoms dans le chat. Et dans les commentaires plutôt de YouTube. Et je vais remercier YouTube pour avoir regardé cette rediffusion. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Parce que nous arrivons sur 2 heures de live. Je vais voir si je mettrai en un ou deux morceaux. Je vous fais des très 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 gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. Pour l'algorithme YouTube, c'est très bon. Et je vous retrouve à la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao.